Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s'est rendu ce lundi 14 octobre au Mans où il a rencontré les personnels du 2e régiment d'infanterie de marine. Vous étiez basé à Tombouctou, non? On a fait un passage éclair à Tombouctou. Oui, je dirais que c'est quand même bien que le ministre vienne ici à la garnison, en plus sachant qu'on n'a pas l'occasion de le voir régulièrement, on va dire. Donc c'est bien, ça permet quand même assez, ça permet aux marsouins de pouvoir discuter avec lui des problèmes qui sont actuellement... c'est bon. Entre démonstrations dynamiques, visites des lieux de vie et autres ateliers, le ministre a surtout pris le temps de rencontrer les cadres du régiment autour de trois tables rondes, l'occasion d'évoquer les sujets chers au cœur des marsouins. Il y aura des thèmes qui vont revenir dans les tables rondes, donc on va parler forcément de Louvois qui est un souci de préoccupation actuelle. Et puis c'est bien, ça permet de voir que nos grands chefs politiques et militaires viennent s'intéresser à la troupe et aux conditions dans lesquelles on travaille tous les jours. Et le ministre de la Défense a achevé sa visite en s'adressant aux troupes et leur souhaitant notamment bonne chance pour leur mission à venir. Rappelons que le régiment devrait voir une grande partie de son personnel projeté pour l'année à venir.